Bon, on joue ou quoi? Attends, il cherche des Russes. Ouais, bah ouais, je vais manger mon gâteau. Merde, j'ai mis des miettes partout. Oh non, des miettes dans mon nombril, je vais devoir les manger et mouiller mon doigt pour les aspirer. Ah, est-ce que toi t'as un nombril qui pue? Quoi, mais non. Y'a des gens qui ont un nombril qui pue. Comment on pue du nombril? Je sais pas. Y'a des gens, leur nombril il pue, de base il pue. C'est un truc, même si tu le laves. Non, mais qu'il y ait des gens qui puent des pieds, je le conçois. Mais qu'il y ait des gens qui puent du nombril. Bah ouais, c'est ouf. Comment on sent son nombril? Tu mets ton doigt dedans, bien au fond, tu trifouilles et après tu sens ton doigt. C'est comme les couilles, hein. Comment tu crois qu'on sent les couilles? Tu crois qu'on contorsionne? Bah non, mon gars. Le mec trop con. Ah, j'arrive pas à sentir mes couilles, j'arrive pas. Bah y'a des gens, tu vois, ils vont sentir leurs doigts, ils vont faire BAAAAAAH. Mais en fait, je saurais pas estimer si t'es un énorme porc de puer du nombril. Bah je crois pas. Je suis concerné par ton hygiène. Mais j'ai justement dit que ça sentait rien. Oh, toi, j'ai l'impression que tu t'ennuies car tu sais pas à quoi jouer. Comment vous savez ça? Laisse-moi te présenter Zenless Zone Zero, un jeu avec une expérience de combat nerveuse et rapide, des combos et des esquives parfaites. Le feeling décontrôlé, l'impact des frappes sont excellents et donnent un bon coup d'adrénaline. Ça m'a l'air pas mal, dis-moi en plus, étranger qui est rentré chez moi par effraction. Dans ce jeu, tu découvriras des modes de combat variés selon que tu fasses des missions plutôt narratives, des missions de combat ou le mode Holo Zero. J'ai rien compris avec tous tes mots anglais là, on est en France ici, monsieur. Un jeu dont les niveaux sont générés de façon procédurale, c'est-à-dire qu'ils sont créés à l'aide d'algorithmes intelligents. Ah bah voilà! Ah merci! Maintenant passe-moi le pinard avec un bout de frometon s'il te plaît. Il y a plein de maps qui croisent des histoires différentes rendant chaque combat unique. En plus de ça, tu auras plein de boss différents avec des capacités et des apparences spécifiques. Comme par exemple la magnifique libellule géante toute gentille. Les agents possèdent tous des capacités et des styles de combat uniques et ils ont également des types. Le feu, la glace, l'électricité, l'éther ou le physique. Comme dans Avatar, le dernier maître de l'air. Tu es vierge, je me trompe? Et fier de l'être. Les agents ont tous leur propre histoire et personnalité, et dans la version 1.1, tu as un tout nouvel agent, Jane, une membre de gang et experte du crime qui a un passé. C'est compliqué. Ah ouais, ça se voit qu'elle fait vraiment partie du grand banditisme là. Effrayante, n'est-ce pas? Ah oui. Et c'est un perso de rang S top tier à essayer absolument. Combiné à l'agent de rang A pipé, elle délivrera des énormes coups critiques. Je crois que ça se prononce Piper. Bah oui, mais tu m'avais dit que les mots anglais. Bonne réponse. Toute cette action se passe au sein d'un monde et une histoire riche à découvrir à travers les missions du jeu. Tu pourras explorer New Eridu, un centre urbain où tu peux aller tester des mini-jeux dans les cafés, les ramen ou les salles d'arcade. Et on peut aller au pub. Non, pas ça. Mauvaise réponse. Clique sur le lien dans la description pour télécharger gratuitement Zenless Zone Zero et utilise notre code pour avoir des récompenses. Ok, donc là, inventaire. Théma, ça c'est tout. C'est abusé, moi j'ai rien. Je veux pas que vous voyez ça, excusez-moi. J'ai rien. Oh non, arrêtez de regarder, c'est gênant. Arrêtez, enfin c'est mon intimité. C'est quoi ça? Pourquoi il a tout ça? Et attends, c'est ce que c'est ça? Du stockage, j'ai plus de place. Non mais c'est abusé. Pourquoi t'as tout ça? Bah ça date d'il y a des années d'accumulation. Non mais moi j'ai beaucoup joué, j'en ai pas autant. Ah bah ça c'est à force d'ouvrir. Pendant plusieurs années, je fais des grosses ouvertures. C'est abusé. Bon alors, en fait là, déjà il y a la voix de Beast qui est vraiment belle. Ou un couteau fauchon. Et un fauchon c'est quand même stylé quoi. Même cette AK elle est belle. Moi de là où je pars, je pourrais avoir n'importe quoi que je serais content. toi même si t'as ça, t'es en mode voilà. Putain, moi, il est la magnifique. Classe. Ce truc un peu tribal là il est magnifique, j'adore. Ok. Mais c'est super ça. Il est joli. Oui c'est un skin Valorant ça je reconnais. Non mais il est super joli, il doit valoir 10 centimes mais il est très joli. Oh de... bah tu vois on en parlait, il est magnifique. Alors là le Glock Bec Benzen. Équiper le bec benzène s'il te plaît. Où sont les couteaux ultra chers? Je sais pas, le chat il doit savoir. Parce que je sais que j'ai des caisses très très vieilles, vraiment de l'antiquité, ouais. Genre 3€ la caisse, tu vois. Waouh! C'est alors là. Oh my god, mais c'est magnifique hey, ça! La négative grande gueule! Elle s'appelle grande gueule! Putain, mais l'arme de beauf! Ok, opération Vanguard. Non, mais vas-y, pardon hein. Putain, mais les skins CS c'était censé être une mais dinguerie. Un ils sont où les skins de ouf là? C'est parti. C'est maintenant. Bah, c'est pas mal hein. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est mal. Violet c'est Vas-y on va zoomer un peu sur le design. Je... Ouais attends, regrette de t'annoncer que bon, c'est un peu. Bah disons que si Harley Quinn voulait y avoir une AWAP. C'est complètement elle serait crazy. Contente. Hashtag headshot, hashtag psycho. Ça plaira à un certain public. Bon, ça commence, ça sent très très bon. C'était okay, pas mal. J'ai vu ça. C'est avant le rouge, pas mal. Alors regardez bien ce que je vais avoir maintenant. Non, pas deux fois d'affilée. Oh. Non mais attends, il y a même pas de skin là, c'est juste par défaut. Il est. Oh, il fait trop de la peine. J'ai payé un skin TF2. Le dernier, c'est couteau. Ok, c'est quoi? C'est toi qui choisis la dernière. La dernière. Okay, quoi, la toute dernière, genre celle-ci? Ouais. Tu me remercieras plus tard. Nique ta mère. Alors, moi, regardez la qualité quoi. De mon inventaire. Quoi? Quoi? Pourquoi tu te moques? Parce que je me rends compte que t'as par exemple pas une seule arme rouge. Et ça, c'est pas rouge ça? Attends, mais t'as qu'un seul couteau. Mais évidemment que j'ai qu'un seul couteau, mais comment il parle? Comment ça il veut dire parle? Que tu joues même pas, genre par exemple, en CT tu joues avec un couteau et en terreau tu joues avec un autre truc. Oh oui, d'accord, le truc de riche. Bon, alors, tiens, rêve et cauchemar là, les gens ils disaient que c'était bien.
Ouais, ah, alors, elle a l'air d'être très belle. Oh, je veux ça. Ça, elle est très belle. Je veux. Elle est un peu crazy, elle est bien cette collection. Ouais, c'est une belle caisse. Ouais, elle est grave stylée. Ça, c'est un cauchemar. Elle est vraiment grave stylée, franchement, je me régale quoi. Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme caisse Bah, t'as des fauchons. Il est moche le couteau, non? Il est comment? Quoi? Ça vaut cher les couteaux fauchons? Ah ouais, regarde. Oh putain! Non, c'est pas possible! C'est pas possible! Direct! C'est pas possible! La chatte! Comment c'est possible? Comment j'ai. Je l'attends, je l'achète! Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais il vient juste de commencer! Oui! Mon fauchon! Je sais pas. Attends, vendre sur le marché. Ouais, fais voir. C'est quoi ça? Ah, c'est pas. Mais pourquoi j'ai un couteau de merde? Pourquoi tu peux ouvrir des fauchons? Attends, parce que je crois que t'as un fauchon mais qu'il est pas ouf. Non mais après, dans tous les cas, c'est bénef. Excuse-moi, regarde combien il est revendu. T'es oui, en bénef là. Alors je suis en bénef, c'est vrai que je suis en beau bénef. Mais les gars, mon autre couteau il vaut 1400 balles. Ah non, il a dû baisser. Hein. Va voir le prix de ton autre couteau. Je pense que là, ton couteau il vaut 800 euros. Oh putain, oh la vache, comment il coûte cher. Mais le truc c'est qu'il est en train de descendre, j'ai le seum. Il est en train de perdre de ouf. Par contre, regarde le pic qu'il a eu genre en 2019 là. Oh, y'a un mec qui s'est fait baiser là. Hi guys, I go A. Ça va être très compliqué, ça va être très compliqué ce soir, ça va être très très compliqué. Je te le dis. On va se concentrer là. I go B. Attack the side. Have fun guys. Déjà là on va. Non, on va constituer une équipe. Ok, il m'a boosté. On a fait une strat de pro, il m'a mis sur un toit. Hector s'est déconnecté, je suis dégoûté. Non. Non mais ça va pas commencer comme ça. Eh, le mec avec moi il est trop fort. Ouais, par contre il est fort. Il leur met des grosses balles dans la tête là. J'arrive. Ok, bah vous avez pas besoin de nous en fait. Ah bah pardon, putain. Ouais, il t'a enchaîné. Bon par contre, il est pas revenu l'autre là. Je suis dégoûté. On est en 4 contre 5, en tout début de game. Ouais, on a pas de chance là, on va juste jouer. On veut juste être heureux, putain. Apartment. Ah. Oh. Tu as le réflexe de recharger un peu trop tôt peut-être. Tu as une remarque? Tu as des remarques sur mon gameplay? Tu veux corriger quelque chose? Non, pour ton bien, oui. Parfois, tu pourrais pas recharger juste après un kill. Eh, Hector, il m'a l'air... Bref. Ouais, bah j'ai remarqué. Hein. Ouais, Hector, c'est compliqué. Lui, là, nickel. Il est chaud, lui. Ouais, mais bah, il se rend compte que c'était du B. Enfin, du A. Oh, pardon, il est plus fort que moi. Non, mais il est trop intelligent, attends. Si là, il a le temps de diffuse. S'il se dépêche... Il est fort. Il a le temps de diffuse. Il est très fort. Oh non, c'est pas juste pour lui. C'est pas juste pour lui parce que c'était très bien joué. You are amazing! You are so good! I want to suck your dick! So fucking good! Nice cock! Hector. Mais c'est trop! Mais lui, Hector. Il est trop cool. On va perdre la game à cause de lui! My wifi is bad, mais nique ta mère, je joue pas en wifi! Tire un câble! Le français! Il me saoule! Et puis il va en B à chaque fois, ce bouffon, il se tient pas au courant. Prends la place des autres. Joue! Joue! Pardon. On a eu le temps du Vianney, je suis dégoûté. La bombe est dans l'église. La bombe est dans l'église. Putain, il est malin ce chien. Pas qui tempo. Ils sont là? Oui, fais attention. Attends, tempo. Vous êtes bien là. Champion! Champion! Pendant ce temps là, Hector. Hector qui casse les couilles à tout le monde avec son wifi. T'as vu? T'as vu comment il l'a dégagé? Parce qu'il sait qu'il est nul et que c'était moi à la base. Mais j'ai pas envie de me le taper. Mais le problème c'est que son wifi is bad. Je veux dire, il va pas devenir good du jour au lendemain là. Genre, c'est. Il va se faire des coups pendant toute la game. Orange Gobi, oui, bah j'avais compris. Commence pas à me donner des ordres par contre. Oh, fils de pute, c'est quoi ce one? Ah, ça j'aime pas les mecs comme toi. Il faudrait un mec qui dise allez, c'est du B. Ta gueule. Laisse jouer les gens qui. Eh, si je te gêne, c'est la même. Hein. Oh, comment elle est. Oh, t'as mis toutes les balles de façon à l'esquiver, comme un film d'action, ou t'as un Stormtrooper. Ok, j'ai une idée. Je vais me mettre très près de mon écran comme les joueurs pros. C'est comme ça que ça marche. Voilà, mon nez touche l'écran. Voilà. Quoi? À quel moment il me met une tête là? Ça pose en A. On A. Fais ton taf. C'est de ta faute. Mais c'est une blague. B. Bah, je sais que vos couilles puent la merde là. Vous criez à l'aide dès que vous voyez un mec. Hey, t'es juste mauvais. Ouais. 3-3, mais quelle honte. Panique pas, c'est bon, ça va revenir là. Ouah putain, vas-y, le tir d'Awa. Je brûle. Eh, ça joue, hein. Franchement ça joue. Oh putain, mais la WAP là, elle va être imprenable. Ils savent ce qu'ils font, ces chiens. B, c'est déjà. Oh, je crois que j'avais. Oh putain. Ouais, je croyais que tu l'avais eu aussi. Please don't push. Mais il dit ça à qui? Il commence à mettre des XD, mais tu sens qu'il peut vite péter un câble. Eh hey, putain, je rigole avec toi, je suis gentil. Ouais. Come
on guys, let's go. Je tourne un peu de baume au cœur à l'équipe. Putain, Hector, la ferme. Bomb on A. Okay, that's a bomb. Tu parles bien anglais? T'as vécu à l'étranger? Putain, mais lui! Mais j'en peux plus! Voilà, tu t'es pas pris à cette claque dans la vie, je pense. J'en peux plus de cette putain de game! Je peux rien faire! Ah, bah bien sûr! Bah, bien sûr! On se fait. Don't lose short, please. Ouais, c'est pas notre faute! Vous perdez la short! Mais oui! Ils viennent de cet spawn AB! T'as eu? À la base, moi, je suis un gentil. Il me faut une arme. Bah non mais frérot, j'ai une AK, je vais devoir le payer là. Vas-y, sale chien. Pourquoi c'est moi qui paye là? Putain, il t'a regardé. T'as plein de thunes toi. Ah ouais, mais il savait. Non, t'avais 5000, moi j'ai 3000. Ouais bah je les ai mérités, j'ai économisé pour acheter une AWAP. Putain qu'ils veulent la payer la AWAP là maintenant. Tu vas rien changer avec ton AWAP, tu vas rien faire du tout. Hey, ils savent lancer des stuff et tout. Regarde où tu es. Ils sont agressifs, ils m'énervent. Y'en a, je vais les fumer là déjà. Je t'attends pas à ce que je passe par là, hein. Ça va te surprendre. Get mon gars, allez dans ta mère. Donne la WAP et je te baise. Ils sont où? Oh putain, ils sont là. On a go away. Sûr? Eh ouais, bah voilà. À quel moment? Je me prends 90 HP en moins. Il était B. On devrait économiser. Bah oui, maintenant oui. On devrait économiser, mais dans 2 rounds, on a perdu. Je sais pas, je fais confiance à ce mec, il est trop fort. Ah ouais? Il vient de se prendre une motof dans la gueule. Je sais pas ce que je fais sur ce jeu, je comprends rien. Voilà. Donc là, vous savez. J'ai mis un casque. Low HP. Ah, allez, fais ton taf. Lui tomber son arme de merde. Non, sors pas. T'as pas safe pour rien. Allez. J'ai trop. Mais il est fort lui en face, hein, ce bouffon là. Probablement une victime IRL, mais très fort au jeu. Là, franchement. Hein. Par contre, get la WAP. Depuis tout à l'heure, ils sont en train d'allumer tout le monde. Ouais, est-ce que tu vas leur mettre, mon gars? C'est sûr. Regarde, moi aussi, je prends la WAP. Tout le monde meurt. Bah, c'est du gros B dans ma gueule de merde. Toby. Il est trop fort. Je te jure, mec, ils sont trop forts. Ce n'est pas mon niveau! Putain, il est très optimiste, ce mec. Ah ouais? Face B. Je déteste faire face B, donc je vais faire exprès de partir derrière. T'as aucune couille. Bah ouais, c'est la pluie d'achat dans notre gueule, hein. Allez-y, les gars, on rush. Y'a que toi qui pousse en avant, hein, pour te dire l'état de l'équipe. Y'a que moi! Allez, on avance. On s'en fout de la smoke, là. Allez, voilà, allez, nous, on est fort, là. Tu plantes. City. Ça, c'était un bon coup. Ça a très bien marché, cette histoire. Mais reste pas avec moi toi! Hector, abruti! Hector, Gopi! Le con d'Hector, hein! Ah vas-y, il est trop con! Putain d'Hector de merde! Mais qui ça? Sucé? Comment? Toi qui a dit? T'as dit quoi? T'as dit sucé? Non, j'ai dit c'est qui? T'as pas dit ça? Ah si, j'ai dit c'est qui? Non, t'as entendu sucé? Quoi? J'ai pété un plomb! Pas se comprendre! Je vais péter un plomb! Il m'a dit juste. Sucé? T'as dit sucé? Sucé? Mais c'est toi qui a dit! J'ai pété un plomb! Ça l'a pas éteinte! Attention! J'ai la bombe, hein. Écoute, mais bomb is going A. En fait, je viens de me rendre compte que j'avais la bombe. Planting A. Je parle à ta place vu que t'es pas foutu de donner les infos en fait. Bah non, mais après, je fais des bons solo player. Oh, putain! Non, c'est excellent ce que t'es en train de faire. Continue! La cavalerie arrive! Fais gaffe, vous êtes que deux là. Je vais me jouer ça safe. Putain, ils galèrent à venir. Vous allez avoir grave du temps. Bah là, ils vont pas avoir le temps de diffuser là. Ça, j'en ai vu des problèmes de timing. Mais alors ça? Ouais. Pas le temps de diffuser, mon gars. Bien joué! Je parle pas à toi, hein. Je parle à l'équipe globalement. Alors, regarde qui est affiché. Terracid pour avoir posé la bombe. Ouais, clic gauche quoi. Je prends un kill en mid et vous me remercierez pour ça. T'es à une place d'Hector. Ah! Il passe devant moi à ce moment là! C'est un. Ah! J'en peux plus. Eh, si je te gêne, c'est la même. Hein. Tu me gênes. Ah putain, dommage. Et c'est bien dommage. Je veux pas mettre une tension dans l'équipe, mais il t'a demandé si t'étais sourd. Parce qu'il m'a dit save? Non, parce qu'il t'avait demandé de faire un rush mid to B et qu'on était deux. J'avais la WAP. Eh bien, tu lui expliqueras, je suppose. Ok, bah on va gopi alors. Eh bah non, moi je passe pas dans le feu, je suis désolé. Oh putain, comment ils ont rushé et on a rien fait pour regarder. Oui, bah toujours plus! J'ai espoir pour cette game, j'y crois tellement! Ouais, c'est bon, niquez vos mères, c'est bon. Moi je pense que c'est la faute d'Hector principalement, regarde le score qu'il a. Hein. Oui, non mais parce Hector. L'autre, on essaie de trouver un responsable autre que Hector, mais on est en 4 contre 5. Hein. On est en 4v5, c'est ce que j'allais dire.
Aïe. J'ai envie de tenter un truc. Non, pas maintenant. Genre. Bah pas maintenant, t'as pas le choix. Attends. Je veux voir comment se passe le round d'abord. Merci d'avoir tanké à ma place. Ouais, je suis un peu déçu là, de pas jouer ce round. Vous pouvez le faire, 3v3. Non mais vas-y, frère. Ouais, bon. Fort sur so bad. Oh non, il est parti. Putain, je voulais l'activer, je voulais le trigger, putain. Or c'est le meilleur joueur. Il s'est barré direct aussi. Putain, la game de merde, comment c'était trop nul. Tant pis. Mais à chaque fois, le problème vient toujours du fait que c'est nos mates qui posent problème. C'est bien d'en avoir un bon parmi nous. Oui, mais il faut pas qu'on ait Hector.